Bonjour à tous et à toutes. J'ai un petit peu changé d'angle de tournage pour cette vidéo parce que je vous tourne le tag de Mystic Moon, donc le tag Mystic Tarot Oracle créé par Marie du coup de Mystic Moon. Et du coup je me suis mise juste devant mon étagère de jeux pour pouvoir vous présenter un petit peu les jeux qui m'accompagnent en ce moment. Et j'ai trouvé ce tag super bien fait, donc il y a 9 questions pour vous présenter des jeux en fonction de certaines thématiques et ça m'a donné envie de vous le reproduire. Et donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, vous aurez dans la barre d'infos tout ce qui est lien vers la chaîne de Mystic Moon, les questions aussi par rapport à ce tag en particulier. Et du coup, y a 9 questions, donc il y a 9 jeux. Moi, je vais vous en présenter un petit peu plus. J'ai un petit peu triché, vous verrez. Et on commence tout de suite. La première question, c'est le premier tarot ou oracle. Ton premier tarot ou oracle. Et moi, le premier que je me suis acheté vraiment, eh bien, ça date d'il y a 12 ans. Ça fait un bail. C'est en fait le tarot des apprentis voyantes, la boîte à tirer les cartes. Alors, ce jeu, pour la petite histoire, je l'ai acheté le premier jour où je suis entrée à l'université. Donc en septembre 2008, je suis entrée à l'université et je suis rentrée à la FNAC, j'ai vu ce jeu, je l'ai acheté, j'ai pas réfléchi, hein, j'ai coûté rien, hein, il devait coûter quoi, 15€, 13€, voilà. Je l'ai acheté, je suis rentrée au code, j'ai posé une question au jeu, donc j'ai battu les cartes, j'ai tiré une question, j'ai posé une question, j'ai tiré une carte et puis j'ai un peu pris peur en fait j'ai laissé le jeu trôner sur mon étagère pendant mes années d'études. Donc c'est un jeu qui est très joli en soi. Hein. Je l'ai acheté parce que à l'époque j'étais un peu. Je suis toujours, hein, j'aime toujours, mais à l'époque la série est encore active. Je regardais Desperate Housewives et on est d'accord que c'est un jeu qui a vraiment cette ambiance de ménagère des années 50. Et j'aimais énormément le graphisme, le dos des cartes est très très joli. Et c'est des petites cartes, taille carte à jouer. Mais c'est vraiment... hop, on va essayer que ça fasse le focus s'il veut bien. Voilà, c'est vraiment tradition tarot pour le coup. Et il est très joli, mais du coup, voilà, c'est le tout premier que j'ai acheté. Avant même de comprendre que le tarot était quelque chose... voilà, qui était fait pour moi. C'était le premier signe, on va dire. C'est le premier jeu que j'ai acheté. Et en fait, je ne l'ai pas du tout utilisé. Hein. Et je l'ai récupéré chez mes parents il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça doit être l'automne dernier. Et du coup, bah, maintenant, il est dans ma bibliothèque. Et il a malgré tout une valeur sentimentale, même si je m'en sers pas vraiment pour l'instant. Alors déjà, le nom, la boîte à tirer les cartes de tarot des apprentis voyantes... ouais, c'est pas... je sais qu'il s'appelle des Housewives Tarot, je pense, en anglais. Mais voilà, donc ça c'est le tout premier jeu que j'ai acheté. La deuxième question, c'est celui que tu utilises le plus. Alors, ben ça, sans aucune hésitation, celui que j'utilise le plus, c'est le Deviant Moon Tarot. Parce qu'alors, celui-là, j'ai vraiment une connexion assez dingue avec lui. C'est un jeu, je pense, ça casse. Ça passe ou ça casse quand on l'achète. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent et beaucoup de gens qui le détestent. Je pense que c'est un jeu qui me met mal à l'aise et moi c'est ça qui me plaît. En règle générale, en tout cas quand je suis entrée dans le tarot, c'était vraiment dans cette optique-là, c'était dans l'optique d'évoluer et il fallait que je sois confrontée à des choses en moi qui me déplaisaient, c'était important pour moi. Et donc on est face à un jeu très très particulier mais qui moi me plaît énormément. Ça c'est la carte de l'étoile. Et qui... oh, ce 3 d'épée est juste merveilleux. Voilà, c'est un jeu qui moi, me parle beaucoup. Et donc, en règle générale, quand j'ai un questionnement un petit peu... quand j'ai des choses à creuser, c'est le jeu vers lequel je me dirige le plus facilement. C'est celui de qui j'ai les réponses les plus claires aussi, pour moi et pour les autres. Hein. Je l'utilise pas que pour moi, celui-là. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format. Et c'est celui que j'utilise le plus. C'est celui... regardez la carte de la lune dans ce jeu, elle est vraiment, vraiment incroyable, avec ses pantins manipulés par leur peur. Enfin, voilà, c'est un jeu que j'utilise, c'est celui que j'utilise le plus parce que c'est celui qui m'apporte le plus de réponses quand j'en ai besoin. Donc voilà, après je les utilise tous
beaucoup, hein. Il n'y a pas de jeux. Les seuls jeux que j'utilise pas dans tous les jeux que j'ai derrière moi, là, c'est parce que je n'ai pas encore pris le temps de les découvrir. Mais parce que je pense que, comme un livre, chaque jeu de Tao a son moment et parfois c'est juste pas encore le moment. Donc voilà. Troisième question, celui qui t'accompagne en douceur. Alors, c'est celui que j'ai ressorti en ce moment parce que c'est vraiment mon doudou deck par excellence. C'est le Moonchild Tarot. Donc je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo de collection de jeux de tarot. Bon, d'ailleurs les deux autres aussi, hein, parce que c'est des tarots que j'ai depuis longtemps. Mais le Moonchild Tarot, c'est vraiment un tarot qui, moi, m'accompagne en douceur de par ses couleurs, de par la charte graphique du jeu, de par son côté pastel, comme le soleil qui est à l'envers. Par son côté doux, tendre, pastel, même si il y a des cartes qui sont rentre-dedans. Je vous montre le 5 de denier. Il y a des cartes qui sont pas faciles. Mais malgré tout, il reste doux. Ces messages sont toujours doux. J'ai vraiment l'impression d'une couverture, de travailler avec un plaid en fait quand j'ai ce tarot avec moi. Et c'est pour ça que je l'ai ressorti, c'est le jeu qui est sur mon hôtel en ce moment, c'est celui qui me guide un petit peu en ce moment. Et voilà, donc c'est un jeu auto-édité que je pense qu'il est encore de stock en ce moment. C'est un jeu que vous devez faire venir de loin, hein. Concrètement, c'est pas un jeu que vous pourrez retrouver à la Fnac ou chez Cultura, mais c'est un jeu qui vaut la peine, qui est d'une qualité exceptionnelle. Et il y a énormément aussi de rapports à l'Égypte, de symbolique égyptienne dans ce jeu. Et même si j'ai pas encore pris le temps d'approfondir ça spirituellement parlant, l'Égypte a toujours été importante pour moi, enfant en tout cas. Donc voilà pour le Moonchild Tarot. Enfin, le travail est magnifique, hein. C'est vraiment un bijou. C'est un tarot qui est un peu onéreux, je pense qu'au final il m'aura coûté 60€, un truc du genre. Mais c'est mon doudou parce qu'il est tout doux avec moi. Donc voilà, la question numéro 4, c'est celui qui me bouscule. Alors il y en a pas mal dans ma collection qui me bousculent. En fait j'ai tendance à préférer les tarots qui me bousculent. En règle générale, c'est ce que je vous disais avec le Deviant Moon tarot. C'est vraiment les tarots que je préfère. Ce sont ceux qui viennent me chercher la petite bête. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal qui bousculent, mais il y en a un en particulier. Je vous l'ai aussi déjà présenté, c'est le Nicoletta Secoli tarot. Alors il me bouscule et en même temps il me réconforte. C'est assez particulier, il y a vraiment une contradiction et un paradoxe avec ce jeu pour moi en tout cas. C'est un jeu qui est très enfantin, hein, parce que les figures sont toutes enfantines, toutes légères, etc. Et en fait c'est un tarot qui n'est pas du tout léger, hein. C'est un tarot qui justement vous fait bien travailler là où il faut. Et en règle générale, ces figures enfantines, en quoi il me bouscule, c'est parce qu'il fait vraiment travailler les blessures liées à l'enfance pour moi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'utilise. Le focus est merdique aujourd'hui. Il me fatigue. C'est comme ça que je l'utilise. C'est vraiment un jeu qui va venir titiller des blessures liées à l'enfance. Donc quand j'ai vraiment envie d'être secouée, quand j'ai vraiment envie d'être face à quelque chose qui, je sais, va être dérangeant mais qui va me faire évoluer, c'est le Nicoletta Secoli que je prends généralement, ou le Deviant Moon Tarot. C'est vrai que ce sont un peu mes deux chouchous dans cette catégorie-là. J'ai hésité à un moment donné à me prendre l'oracle, mais l'oracle fait 30 cartes, je pense, et moi des oracles à 30 cartes... j'aime bien avoir beaucoup de masse et j'ai du mal à avoir un jeu de cartes où il y a si peu de cartes dedans. Donc je n'ai toujours pas craqué pour l'oracle. Si vous êtes détenteur de l'oracle de Nicoletta Secoli et du tarot, dites-moi un petit peu si vous avez trouvé une façon de les combiner, parce que moi c'était ça qui m'intéressait. Voilà. Alors, question suivante. Celui que tu utilises uniquement pour un travail spécifique. Alors j'ai beaucoup de tarots qui sont alloués à un travail spécifique. Mais il y en a un qui est assez flagrant parce que j'ai essayé de l'utiliser en tirage classique et ça a été un échec.
Donc là, je parle vraiment d'un travail spécifique hors tirage. Je n'utilise pas les cartes uniquement pour me tirer les cartes. Je peux utiliser les cartes pour plein de raisons. Hein. Et en fait, celui que j'utilise pour un travail spécifique, c'est le Tilduik Tarot. Alors, celui-là, c'est un tarot... si vous voulez vous le procurer, ça va être assez compliqué. C'est un tarot... c'est un tarot vraiment, vraiment particulier dans le sens où, en fait, déjà, il n'y a pas de personnage. Ça, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu, c'est la carte du diable. C'est juste un miroir, en fait. Donc voilà. En fait, ce jeu, c'est comme si vous vous baladiez dans un château abandonné et chacune des cartes reflète une partie de ce château. Là, c'est la carte du magicien, par exemple. Et j'ai essayé en février, je pense, donc assez récemment, de l'utiliser en tirage. D'ailleurs, j'avais fait un... Je pense que c'est parce que j'ai... Ouais, c'est ça. J'avais fait un cycle suivi sur Tarot Lunaire pour mon programme Tarot Lunaire pour les étudiants de ce programme-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un échec. Il ne me parlait pas beaucoup. J'avais du mal à avoir des messages. Et en fait, là où il me parlait plus, c'était en méditation. Donc en fait, c'est un tarot que j'utilise uniquement en pathworking. Et je le trouve vachement bien pour ça parce qu'il suffit de fermer les yeux. Alors regardez-moi cette carte d'ermite. Hein. Voilà. Il suffit de fermer les yeux et d'essayer... De faire en sorte que cette carte soit que les bords de cette carte soient comme une fenêtre et de pénétrer à l'intérieur de cet univers. Et là le travail est intéressant avec ce jeu, là les messages sont intéressants, juste parce que l'univers graphique nous emmène déjà dans un endroit un peu particulier. Voilà, c'est un jeu qui est pas facile à aborder, qui est pour moi pas parlant en tirage, mais qui est une véritable œuvre d'art. L'artiste n'est fait plus partie de ce monde malheureusement, mais l'artiste a fait un travail absolument incroyable. C'est vraiment un tarot magnifique. J'aime énormément. Et alors ce que j'aime, c'est que les personnages de la cour de ce jeu, je vais essayer d'en trouver un comme ça. En fait, j'aime les personnages de la cour parce qu'il y a leurs photos représentées. Voilà par exemple le cavalier de Denier. En fait, c'est comme un hôtel aux ancêtres à chaque fois. Il y a la photo du cavalier Denier qui est là et puis il y a toute une partie... Ça me fait vraiment penser à cette pratique d'hôtel aux ancêtres. Et j'aime énormément ça. Donc c'est un jeu qui... Voilà. J'utilise pas en tirage. J'utilise vraiment en pathworking. Je peux tirer une carte pour voir avec quelle carte je dois travailler en ce moment. Ou alors même si j'ai tiré des cartes qui me harcèlent un petit peu. C'est le cas souvent. Et que j'ai besoin de comprendre un peu le message, c'est avec ce jeu que je vais travailler. La question suivante. Alors, celui qui t'accompagne dans les cycles. Donc, en fait, Marie voulait dire par cette question, bah, quand tu travailles sur les cycles, par exemple sur la roue de l'année, etc., qui, quel tarot, quel jeu va t'accompagner dans justement ce travail au fil des saisons, au fil des cycles. Alors moi en fait, j'ai pas de tarot qui m'accompagne pour les cycles, tout simplement parce que je change de tarot à chaque saison. Je suis une tarophile, tarologue, tarot, tout ce que vous voulez, saisonnière. Il y a des tarots que je peux pas utiliser en été, par exemple. Par exemple, pour mes tirages un peu plus quotidiens, où il y a... Enfin, pas quotidien, mais pour mes tirages... où il n'y a pas vraiment de gros questionnements liés à un gros travail de l'ombre ou à quelque chose que je veux retirer, je ne vais pas utiliser le Deviant Moon en plein mois d'août, quand il y a la canicule. Il y a une ambiance qui c'est pas possible. Donc en fait, j'ai toujours un tarot qui me suit de manière saisonnière, et puis un tarot un peu plus... c'est un peu... En fait, chaque tarot a un rôle différent au sein en fait, de ma tarothèque. Il y en a certains que j'utilise pour certains travaux particuliers, d'autres que j'utilise que pour certaines saisons et aussi pour certains travaux, donc ils ont tous un petit peu leur rôle à jouer dans ma pratique du tarot, mais il n'y en a pas un qui va me suivre tout au long de l'année, tout simplement parce que je change. Donc je vais vous montrer un tarot par saison, comme ça vous verrez un petit peu dans quel genre d'énergie je coule par rapport à chaque saison. Donc là, je vais reprendre du coup le Moonchild Tarot parce qu'au printemps, c'est le tarot que je sors systématiquement. De par ses couleurs très douces, de par son côté doudou. Faut savoir que le printemps, c'est le moment de mon anniversaire aussi.
Donc c'est un moment que, en règle générale, que j'attends. Moi, je suis une fille d'automne, très très fort. Mais j'aime le printemps pour le côté renouveau et les promesses que le printemps amène. Et en fait, le Moonchild Tarot est vraiment un tarot avec lequel j'aime travailler au printemps. Jamais je pourrais sortir le Moonchild en automne. C'est impossible avec ces tonalités pastel que je saurais pas. Donc pour le printemps, je travaille avec le Moonchild. Par exemple, en été, alors c'est un tarot que je vais vous montrer que j'ai pas encore travaillé avec lui parce que j'avais pas encore justement de tarot estival. Ce qui fait que l'année passée, par exemple, j'ai un peu traîné le Moonchild très longtemps et j'en avais un peu marre. Et donc là, récemment, j'ai trouvé ce tarot-ci. Donc en fait, c'est le tarot qui venait dans une boîte. Je pense pas que vous pourrez le trouver, malheureusement. Je suis désolée, je vous présente parfois des jeux. C'était How to Deal Tarot for Everyday Life. Et en fait, c'était un coffret qu'ils avaient fait pour les magasins. Encore une fois, je ne sais plus. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je savais toujours pas le nom. Bref, Urban Outfitters, un truc du genre. Et en fait, à l'intérieur, c'est le Circo Tarot. Donc c'est un tarot qui était auto-édité et qu'ils ont fait un mass market juste pour Urban Outfitters, je pense que c'est ça. Avec un dos très joli aussi, très doux. Mais alors les couleurs sont beaucoup plus vives. Et donc ça, c'est un tarot que je pourrais vraiment utiliser en été, par exemple. Parce que très coloré, très en adéquation finalement avec ce que moi je vois dans l'été. Et avec ce que j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est probablement le tarot qui m'accompagnera cet été. Mais là, j'ai pas encore travaillé avec lui. Mais je trouve qu'il est assez particulier. Et qu'il est... Il est très naïf aussi, un peu dans ses dessins. J'aime énormément le style artistique. Donc voilà. Donc ça, c'est en fait le Circo Tarot à la base. Je pense que vous pouvez peut-être vous le procurer en auto-édité. Mais du coup... Il reviendra un peu plus cher, quoi. Ça, c'est sûr et certain. En automne, eh bien, ça, c'est une nouvelle addition. Alors, en automne, c'est là que j'ai le plus de choix. Parce qu'en règle générale, j'ai des tarots. Je vous dis, j'aime les tarots assez sombres. Et l'automne, c'est là où je commence à vraiment kiffer. Où j'ai du mal à pas me tirer les cartes tous les jours. Parce que j'ai vraiment ma pratique du tarot prend une autre dimension. Dès qu'on entre en automne, dès que le mois de septembre arrive, en fait... Et là, je vais vous montrer un exemple de tarot que je peux utiliser en automne, mais que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc clairement je ne l'ai pas encore utilisé en automne, mais c'est le Marielle Tarot. Donc ça, c'est la deuxième édition que vous pouvez toujours trouver, je pense, sur Amazon, qui est une édition où les cartes sont plus petites. Donc c'est un beau coffret avec, avec un beau livre, avec les cartes en couleur dans la deuxième édition, donc ça c'est assez chouette. Et les cartes sont plus petites que la première, mais il n'y a pas les bordures. Donc en soi, les illustrations à l'intérieur ne sont pas raptes ici. Alors c'est un tarot de malade que je suis en train d'étudier en ce moment. Alors pourquoi je suis en train d'étudier maintenant? Parce que c'est pareil, je pense que c'est un tarot qui va me foutre des claques et donc qui aura un peu le même rôle que le Nicoletta ou le Deviant Moon. C'est vraiment des tarots sombres comme ça, ce sont ceux que je préfère de toute façon. Mais je l'étudie parce qu'il est très complexe. Il est extrêmement compliqué et j'ai besoin de l'étudier. J'ai vraiment besoin de l'étudier. J'essaye de vous montrer une carte. Alors ça, c'est le 8 d'épée. C'est vraiment une carte que j'aime bien. Je l'ai tirée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs pour l'étudier. Mais il y a des cartes un peu où on se dit what the fuck quoi. Je vous montre... Peut-être une carte qui va vous laisser perplexe. Ah, la reine d'épée, elle est magnifique. Oups, toutes les cartes qui se barrent. La reine d'épée, je l'adore. Elle laisse perplexe, mais je l'adore. Mais il y a vraiment une très forte notion de... En fait, c'est un mélange des trois systèmes du tarot. C'est un mélange du Marseille, du Rider-Waite et du Todd. Donc c'est vraiment un système assez compliqué. Mais c'est un tarot qui voilà, me fascine complètement et c'est clairement le genre d'ambiance que je peux utiliser en automne. Après j'en ai plein d'autres, hein, des tarots que j'utilise en automne, le Nicoletta, le Deviant Moon, celui-là aussi clairement, le Halloween Tarot que j'adore utiliser en octobre. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis un tarot d'hiver, cet hiver par exemple j'ai utilisé celui-là et il m'a fait beaucoup de bien, c'est le Ethereal Visions Illuminated Tarot. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière qui revient avec ce deck. Et il y a quelque chose de retrouver la lumière. Et qui, pour le coup, est en parfaite adéquation avec les fêtes de fin d'année. Avec l'ambiance voilà, hivernale où on a juste envie que la lumière revienne.
Et le The Real Visions Tarot, c'est un tarot, pareil, il a été longtemps compliqué à avoir sur Amazon, mais là il est de retour en stock. Ça c'est le dos des cartes. Mais il est avec tous ses détails or, parfait en fait pour tout ce côté retour de la lumière. Et donc voilà pourquoi j'aime beaucoup l'utiliser l'hiver. Donc voilà un peu pour les tarots du coup qui me suivent pour les cycles. Vous voyez qu'en fait j'aime bien casser, ma façon à moi de suivre les cycles en fait avec le tarot, c'est de casser et de choisir une énergie différente. Tous les tarots n'ont pas la même énergie et donc c'est comme ça en règle générale que je fonctionne. Alors la septième question, c'est celui qui t'a surprise. À la base ce tarot je l'ai commandé pour l'étudier et puis quand je l'ai ouvert j'ai eu une de ces claque monumentale et c'est devenu un de mes chouchous. C'est le tarot de Thoth. Bon, en fait, à la base, j'avais commandé le tarot Harry Potter qui était basé sur le système Thoth. Hein. Je radote, hein, j'ai déjà raconté ça dans un, je pense, un épisode du Taroté. Et je me suis dit, bah, je vais commander le tarot de Thoth pour l'étudier en fait, parce que j'aurai plus facilement accès au choix de l'autrice, etc., pour la créatrice du tarot Harry Potter, si je connais le système Thoth, et de toute façon, en tant que passionnée de tarologie, c'était clair et net que j'allais étudier cette troisième maison un jour, et donc je l'ai commandé. Sauf que quand je l'ai ouvert, mon Dieu, je suis tombée amoureuse de ce tarot. Donc déjà, ma carte représentante, en règle générale, c'est l'empereur, et l'empereur du tarot de Thoth, mais waouh, je suis dingue. Et alors je vais vous montrer si je la trouve. Les cartes sont énormes et je sais qu'il existe en plus petit, hein, ce tarot de Thoth. Mais je trouve qu'avoir le grand format, ça permet justement d'avoir un meilleur point d'attache en fait pour l'étude. Des visions plus claires, des détails, etc. Donc c'est un système qui est complexe, mais qui moi me fascine, et j'ai été fascinée par les couleurs, par le choix, il y a une palette, enfin il est merveilleux, voilà. Et alors ce sont des cartes qui sont pipées, donc c'est-à-dire qu'en fait les majeures, par exemple là c'est un 7, je suis tombée sur un 7 d'épée, voilà le 7 d'épée du tarot de Thoth, qui dit futilité. Il y a le mot clé en dessous. Donc ce sont des cartes pipées, mais il y a une ambiance. Dans le tarot de Marseille, vous savez, les pipées sont pas ambiancées. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de scénette de vie, certes, là non plus, mais il y a une ambiance qui fait que l'essence de la carte se révèle plus facilement quand même. Alors je trouve pas la carte que je veux vous montrer, mais bon, je voulais vous montrer l'ermite, parce que voilà, c'est l'ermite... Mais bon, soit, vous pouvez aller retrouver sur Google, mais c'est un tarot qui m'a surprise parce que j'allais, à la base je voulais pas, enfin c'était vraiment un tarot d'études. Vous voyez quand par exemple mon Rider-Waite, quand je l'ai commandé, c'était un tarot d'études, hein, mon Rider-Waite classique. Voilà, j'ai pas d'accroche particulière avec le Rider-Waite classique, c'est vraiment un deck d'études et de référence. Là pour le coup ça a pas du tout été le cas, mais pas du tout. Je l'ai adoré dès le départ et... ça a été une connexion quasiment immédiate, ce qui est assez particulier. Donc voilà, c'est un deck que j'étudie toujours en toile de fond, mais qui m'a vraiment surprise pour le coup. Ma carte préférée. Alors, ma carte préférée, ça c'est difficile, parce que... alors, de manière générale, ma carte préférée, j'hésitais entre l'empereur et l'ermite, mais je dirais quand même l'ermite. Et du coup, mon ermite préféré, j'attrape le jeu, mon ermite préféré de tous mes jeux de tarot, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce tarot à la base, c'est celui de Wild Unknown. Alors pourquoi? C'est un tarot, j'ai même pas encore utilisé vraiment ce tarot en fait, en tirage, peut-être une fois ou deux. Mais l'ermite quoi. Alors pourquoi c'est ma carte d'ermite préférée? Parce qu'il y a, j'aime le fait que la tortue soit l'animal représenté pour la sagesse de l'ermite. Et en fait, récemment, j'ai appris, parce que je suis en train de lire l'histoire du tarot de Isabelle Nadolny, j'ai appris en fait que certaines représentations de l'ermite dans les vieux tarots italiens du 15e représentaient l'ermite avec non pas une lanterne, mais avec un sablier. Et il s'appelait le maître du temps.
J'ai une fascination pour tout ce qui touche au temps, à la distorsion du temps, au retour dans le temps. Enfin bref, c'est quelque chose qui me fascine assez fort. Et que cette tortue qui est quand même capable de vivre... Enfin voilà, une tortue, c'est... Voilà, c'est un peu comme la baleine ou même comme les arbres en fait. Vous savez, ce sont ces doyens qui restent et qui... Ouais, qui représentent pour moi une énorme sagesse. Et j'aime que ce soit la tortue qui soit représentée sur cette carte. Et le rapport au temps aussi, du coup, que ça souligne malgré tout. Donc voilà. La carte d'ermite, c'est une carte avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Même si c'est pas vraiment une carte qui me définit. Si je devais me choisir une carte qui me définit, je dirais l'empereur, le valet d'épée, probablement. Mais l'ermite, c'est une carte qui me fascine, en fait. Donc voilà, je dirais que ma carte préférée, c'est l'ermite, surtout celle du Wild Unknown Tarot. Ok, j'en ai plus qu'un à vous montrer. La dernière question, évidemment, c'est quel est ton jeu préféré ? Marie, pourquoi tu me poses des questions pareilles ? Le jeu préféré, c'est très très difficile parce que chacun de ces jeux, là, même ceux que je vous ai pas montrés, c'est pas parce que je vous les ai pas montrés qu'ils n'ont pas une importance pour moi. Si je choisis un jeu, c'est parce que j'ai besoin de lui à un moment donné, que ce soit pour augmenter mes connaissances en étudiant un système qui me paraît un petit peu original et qui sort un petit peu de l'ordinaire, que ce soit parce que les graphismes me parlent et me touchent directement au cœur. Chacun de ces decks a une importance pour moi. Et donc choisir mon préféré, c'est pas une tâche facile. L'angle a peut-être changé, mais je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc je reprends. Je vous disais que du coup mon tarot préféré, c'est en fait le tarot de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espèce de retour aux sources avec ce tarot, parce que, alors même si maintenant je m'intéresse beaucoup à l'histoire du tarot, vraiment aux sources, avec notamment cette lecture de l'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, j'ai bien envie de m'acheter un Visconti Sforza, ou en tout cas un ancien tarot italien du 15e, mais le tarot de Marseille, il y a quelque chose voilà, d'originel en fait, dans ce tarot qui me parle énormément, qui parle à la passionnée d'histoire en moi aussi et au fait de vouloir chercher ce qui est vraiment à l'origine et ce qui a pu en fait inspirer des tas d'autres créateurs par la suite. Et plus particulièrement le tarot de Marseille de Jean Daudal, pour une carte surtout. Encore une fois, parfois ça joue à pas grand chose, mais c'est la carte des amoureux. Parce que l'angelot dans ce tarot a les yeux bandés. Et c'est un symbole sur lequel j'ai du mal à passer. Et donc en règle générale, j'ai un autre tarot de Marseille qui est là. Où pareil, l'angelot a les yeux bandés. C'est vraiment un symbole important pour moi dans un Marseille. Et donc voilà. Mais je dirais que mon préféré, ça reste le Marseille. Et c'est celui-là qui est un tarot que j'ai acheté quand j'ai commencé à étudier le tarot il y a 2 ans et demi, 3 ans d'ici. Parce que c'est celui que j'ai acheté d'occasion. 5 euros, j'avais acheté en me disant bon ben on verra bien, j'achète ce prix là au cas où j'aime pas, et qui a été voilà le premier d'une longue série par la suite. Donc même si je l'utilise très rarement, c'est mon préféré quand même. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre les questions du tag, à taguer Marie, à la prévenir du coup que vous avez fait cette vidéo, et je serai ravie du coup d'aller visionner vos petits jeux de tarot. La luminosité est du coup pas terrible avec cet angle de vue, mais voilà, j'avais vraiment envie d'être près de mes tarots, près de mes jeux pour vous présenter ce tag, et je vous dis à très bientôt du coup. Salut !